Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type de blason. Pour cela, j'ai créé une petite boîte d'outils avec 5 dégradés partagés. Alors les dégradés partagés ont la particularité de, lorsqu'on change ici la couleur, je vais mettre par exemple du vert, automatiquement tous les objets utilisant ce dégradé changent de couleur. J'ai utilisé un dégradé pour les contours. Justement, cela me permet, si je change ici cette couleur, je vais mettre du violet, au début et à la fin, on voit bien que l'ensemble des contours des objets change de couleur. Ici, nous avons 4 objets pour réaliser ces petites fleurs-là, et là, nous avons un autre objet pour le contour et le fond du blason. Donc je ferme ce document, je vais ouvrir le document de base sur lequel on va retrouver la petite palette d'outils et on va réaliser tout de suite la petite fleur. Donc je sélectionne cet objet, je le duplique, je le déplace, je clique une deuxième fois pour avoir le petit curseur ici de rotation, j'active le magnétisme, je clique ici pour avoir aimanté au nœud chemin et poignée. Je clique également sur cette option et pour que le curseur se déplace et soit attiré par le nœud ici, il faut activer cette option-là, aimanter à d'autres points. Donc je clique, je glisse et hop, j'ai une petite phrase qui indique que le curseur est bien situé au niveau du nœud. Donc je vais utiliser ici édition, cloner, créer un pavage avec des clones. Donc je fais rase. Dans translation, ici on va mettre moins 100%. Et rotation 72. Alors c'est il y aura ici donc 5 pétales, donc 360 divisé par 5, ça fait 72. Nombre de lignes, une seule. Nombre de colonnes, 5, parce qu'il y aura 5 pétales. Et je fais créer. Alors il y a ici 2 pétales l'un sur l'autre. Le pétale de départ ici et le pétale de fin. Donc je supprime celui-ci. Oups, aïe aïe aïe, voilà. Je clique maintenant sur cet objet, je le duplique, je le déplace. Avec le magnétisme, il va se placer correctement. J'utilise à nouveau, avant ça, je déplace ici le petit curseur, voilà. J'utilise à nouveau le pavage de clone, créer. Je n'oublie pas de supprimer le dernier. Je sélectionne cet objet, je le duplique, je le déplace. Je n'oublie pas de changer le curseur de rotation de place. Et comme tout à l'heure, hop, créer un pavage de clone. Et on n'oublie pas de supprimer le dernier. Je sélectionne ces 5 objets. Je les groupe. CTRL-G. Et je les place à l'arrière-plan. Je sélectionne ces 5 objets. Et je les groupe. Je vais maintenant faire une rotation de 36 degrés de cet objet-là et de l'objet derrière. Je clique pour faire apparaître le petit curseur de rotation que je place bien au milieu ici. Je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL. Alors avant ça, vous allez regarder ici, on va avoir des informations sur le nombre de degrés de rotation. Donc je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL, on voit que je passe de 30 à 32, 34, etc. avec une incrémentation de 2. Donc je vais m'arrêter à 36, voilà, ça devrait être bon, parfait. Alors pour changer l'incrémentation, il faut aller dans les préférences d'Inkscape, ici, incrément, et là mettre 2. Hein, on a plusieurs possibilités, il faut choisir 2. On va dupliquer cet objet, le placer correctement ici, utiliser les flèches en appuyant sur CTRL-SHIFT pour redimensionner, voilà, comme ceci. Donc, notre objet est créé, je le sélectionne, je groupe, je vais réduire sa taille, je vais maintenant aller dans édition, cloner, créer un pavage de clone, j'appuie sur rase, on va donc faire une translation au niveau des X de, on va mettre 50%, par colonne on va mettre 25%, translation Y, on va mettre 25.
Nombre de lignes, on va en mettre 6. Nombre de colonnes, 6. On va voir ce que ça donne en cliquant là-dessus, créer. Alors, c'est pas trop mal. Sauf que celui-là n'est pas vraiment au milieu. Alors, je vais faire 25 divisé par 2. Ça fait 12,5 plus 50. Donc là, on va mettre 62. 62,5. Hop. Je fais supprimer, créer. Voilà, c'est nettement mieux. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je sélectionne tout ça. Avant, je n'oublie pas de récupérer le clone, mon objet, pardon, mon objet source qui est derrière. Donc je vais déplacer cette fleur en appuyant sur Shift et flèche vers le haut. Voilà, je vais cliquer deux fois. Et là, j'ai mon objet d'origine que je déplace et que je mets ici. Je repositionne maintenant cette fleur au bon endroit. Donc je sélectionne tout et je groupe. Voilà. Je vais utiliser cet objet pour le blason. Donc je le duplique. Je le déplace. Je vais l'agrandir un petit peu comme ceci. Voilà. Je vais lui mettre un petit dégradé qui s'appelle fond. Je positionne, voilà, comme ceci. Je groupe cet objet. Je le place à l'arrière-plan. Je vais utiliser un clone. Donc là, j'ai mon clone. Je sélectionne ici mes 36 objets que je groupe une deuxième fois. J'appuie sur Shift, je sélectionne ici le clone de mon blason et je vais dans Objet, Découpe, Définir. Et là, on voit bien que tout a bien fonctionné. Je peux déplacer les fleurs qui sont dans ma découpe. En bas, on a l'information comme quoi c'est une découpe. Si je double-clique, je rentre dans ma découpe et je peux déplacer mes fleurs, donc soit avec la souris, soit avec mes flèches. Donc là, je vais le faire à la souris. Voilà, comme ceci. C'est pas mal. Donc on pense à enregistrer aussi. Donc fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler 4. Hop. Enregistrer. On peut s'arrêter là, bien évidemment. On peut modifier ici le dégradé de l'objet. Donc, il est sélectionné, voilà, je vais changer le dégradé, je vais mettre celui-là. Si on a besoin, par exemple, j'ai envie que mon dégradé soit le même sur l'ensemble de mes pétales ici. Donc on voit bien que c'est des clones. Donc je sélectionne tous ces objets et je clique ici pour couper le lien avec le clone. Voilà, à ce moment-là, ça devient des objets à part entière que je peux modifier. Ici, j'ai envie d'avoir un seul dégradé ici. Je vais les combiner tout simplement. Chemin, combiner. Voilà, je déplace mon dégradé comme je le souhaite. Je peux faire la même chose pour les autres objets ici. Donc là, on voit bien que c'est des clones. Comme tout à l'heure, je coupe le lien. Je vais ici dans chemin, combiner. Hop, et je change mon dégradé. Tout simplement, c'est très facile. Tac, chemin, combiné, CTRL Z, et automatiquement, tout s'est mis à jour ici. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.